comment avoir plus de réservations sur Airbnb. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum ! Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va voir comment avoir encore plus de réservations sur Airbnb. Mais avant ça, si tu souhaites avoir encore plus de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, le point, il est simple, c'est qu'on me demande souvent, ouais Mathieu, comment est-ce que je peux être mieux référencé sur Airbnb? Comment est-ce que je peux avoir plus de réservations? Donc, ce qui se passe, c'est que je vais te détailler dans cette vidéo un plan d'action à mettre en place et surtout les différents critères qui sont utilisés par Airbnb pour derrière être mieux référencé. Donc il y en a certains qui vont te paraître évidents, d'autres non, mais qui derrière sont efficaces. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi ? Basculer derrière l'écran, je vais te montrer ça, on y va, c'est parti. On se retrouve derrière l'écran, on va voir le plan d'action en 10 étapes pour sortir ton annonce du lot et avoir encore plus de réservations. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que voilà, si tu veux percer, sortir du lot, tu dois, comme son nom l'indique, sortir du lot parce que ton annonce, sinon, elle sera perdue dans l'océan des annonces. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est sur Paris. Voilà, si j'agrandis un peu, tous les petits points rouges et verts que tu vois, c'est des appartements qui sont sur Airbnb. Si je zoome juste à ce niveau-là, je vais zoomer au niveau de la rue. Donc là, c'est tout Paris Intramuros. Et là, tu vois, au niveau des rues, il y a des Airbnb qui sont partout, tu vois. Et ça, c'est juste un mini zoom au niveau du Louvre ici. Donc imagine, il y en a partout, partout. Et ce qui se passe, c'est que si ton annonce elle est pas optimisée, tu n'auras pas beaucoup de réservations. Et l'effet fausse solution que beaucoup de loueurs font, c'est que ils jouent sur les prix, ils vont brader les prix ou ils vont attendre. Voilà, et espérer que les réservations tombent d'elles-mêmes. Or, voilà, il faut que tu sois proactif si tu veux vraiment avoir des résultats. Donc le plan d'action, il est simple. Étape numéro 1, tu vas devoir utiliser le super encart. Alors, le super encart, c'est quoi? Je vais te montrer. Car ça correspond à l'encart là que tu vois ici pour sortir du lot. Parce que là, par exemple, si je regarde toutes les annonces, tu vois, le fait qu'il y ait un encart comme ça ou comme ça, tu sors du lot et les gens ils seront plus à même à cliquer sur ton annonce. Donc, tu auras plus de visites, donc plus de réservations et la plateforme va encore plus te mettre en avant. Donc ça va être très important. Ce que je te recommande aussi, c'est d'utiliser des émoticônes, donc des cœurs, des étoiles ou autres. Par exemple, là, tu vois, on est attiré par celui-là parce qu'il y a des cœurs. Donc je te recommande d'utiliser tout ce qui est super titre. Donc j'appelais ça super titre. Super Encart City, c'est tout simplement, ça ressemble à ça, sauf que tu vas indiquer à combien de minutes ça se situe de tel ou tel point d'intérêt pour apporter plus de de clarté au niveau de l'annonce pour dire parce que les gens en gros ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'appart et qu'est-ce qu'il y a autour, à combien de minutes ça se situe de tel ou tel point d'intérêt. Donc ça va être très important à mettre en place. Super shooting, là c'est tout simple, il te faut des photos de qualité, c'est-à-dire que toi aujourd'hui, si tes photos sont pas de qualité, derrière, tu vois, par exemple, si c'est des photos qui sont un peu comme ça, c'est pas du tout vendeur comparé à des photos un peu comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus haut de gamme et ça met encore plus en valeur l'appartement et du coup, tu peux louer plus cher. Donc, voilà, très important. Donc, moi, j'ai une checklist super shooting, je mettrai le lien dans la description si jamais tu souhaites checker ça. Ensuite, pour la photo de profil, utilise une photo de profil business casual au niveau de ton profil Airbnb. Donc là, par exemple, si je prends des profils au hasard, bon, je ne vais même pas regarder. On va regarder, ça va être la surprise. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y aura différentes catégories de loueurs. Donc là, on voit que c'est un couple, donc c'est pas mal. Là, c'est un couple. Là, c'est un monsieur, donc là tu vois pas trop la tête. Là c'est une fille, donc c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc en gros, tu vois, il faut que ce soit une photo business casual. On voit bien ta tête, c'est à dire que si c'est une photo où on voit pas trop ta tête, c'est à éviter. Pareil, évite les photos qui font un peu trop carte d'identité.
Donc là, tu vois, genre une photo comme ça, c'est pas le top du top parce que tu vois pas forcément la tête. Donc voilà, très important, la photo de profil, business casual. Ensuite, la description, il faut qu'au niveau de la description, qui est renseignée ici, je vais pas le détailler ici parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais il faut qu'elle soit optimisée au maximum pour augmenter ta conversion. Par rapport au profil, que j'appelle super profil, c'est ben, quand tu cliques sur le profil d'une personne, derrière tu as pas mal d'informations. Et plutôt que de dire que tu aimes ceci ou cela, il faut que ce soit beaucoup plus complet. Pas comme ça, mais il faut que ce soit plus complet, que tu indiques à quand même, enfin, que tu indiques comment est-ce que tu vas aider le voyageur. Donc ça c'est très important. Ensuite, répondre à chaque commentaire, même négatif. Très très important, parce que les gens regardent ça avec attention. Avoir fait des voyages et avoir des commentaires positifs en tant que voyageur. Donc je t'invite à avoir un compte sur Airbnb et de l'utiliser aussi pour faire des voyages. Comme ça, les gens verront bah, ton côté humain et verront que tu es une bonne personne aussi en tant que voyageur. Activer la réservation instantanée. Donc, puisque derrière, Airbnb te remettra en avant. Activer Airbnb for Work. Donc là, l'idée de Airbnb for Work, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est pour les voyages d'affaires. En fait, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et ce que tu dois faire, c'est bah, être présent sur ce genre de résultats. Parce que Airbnb commence vraiment à mettre en avant bah, les logements qui sont voilà, optimisés pour les professionnels, pour la simple et bonne raison que ben, voilà, avec les pros, il n'y a pas de problème de budget et on est souvent sur des appartements et des prestations assez haut de gamme. Donc je te recommande, si ton appartement est adapté, de postuler pour Airbnb for Work et aussi à Airbnb Plus. Donc ça, pareil, c'est si ton appartement, on va dire, c'est du haut de gamme, tu peux demander à participer à ce programme et Airbnb te mettra en avant et tu pourras encore avoir encore plus de réservations. Donc il y a encore plus que 10 étapes, mais voilà, c'est très important. Et puis derrière, bah, il faut que tu obtiennes le badge Superhost. Donc j'ai déjà fait une autre vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien ici dans la description. Voilà, il va falloir travailler sur différents leviers comme la communication, l'engagement, la satisfaction client, voyageur et l'expérience client. Donc, voilà les 10 étapes à mettre en place dès aujourd'hui pour te permettre de sortir du lot et d'avoir plus de réservations sur Airbnb. Donc on a vu ensemble les différents critères de référencement d'une annonce Airbnb. Donc ce qui se passe, c'est que je t'invite vraiment à mettre ça en application. Il y a un lien qui se trouve dans la description si tu veux télécharger ce plan d'action. Si tu as des questions, laisse un maximum de commentaires et je te dis à une prochaine sur superhôte.fr. Boum!